Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une partie de Star Fox Adventures. On est à la partie 2 et vous voyez qu'en 1h30 on a quand même avancé de 17%, ce qui est vraiment beaucoup. Ah, et là ça nous met tout ce qu'on doit. Oui, voilà, 1h30, 1h30 pile. Moi je trouve ça bizarre quand même. On a quand même bien avancé. C'est parce que je connais bien le jeu. Enfin, bien. Si, j'ai quand même fait 2-3 fois. Enfin, la première fois c'était avec mon père, surtout, c'était mon père qui l'avait fait. Donc je pense que on va peut-être mettre moins de 20 heures. Si on connaît bien le jeu, quand même, le jeu n'est pas si long que ça. Enfin, c'est un temps classique. Ouais, et puis sinon, pour l'histoire du. pour l'histoire des 60 FPS, là, 60 images par seconde. Je sais pas si je pourrais mettre. En tout cas, j'arrive pas pour l'instant à mettre du 60 images par seconde sur YouTube. Finalement, ils nous disent que c'est possible, mais c'est sans doute pas encore possible. Donc bon, vous aurez encore du 30 FPS et c'est moche. Tout simplement. C'est saccadé, c'est moche. Pas assez d'images par seconde. Encore si c'est sur un jeu qui marche en 30 images par seconde lui-même, c'est pas gênant. Par exemple, vous vous souvenez des vidéos parties, des gameplays plutôt, d'Indiana Jones. Je dois faire quoi déjà, je sais même plus. Ah si, voilà, me téléporter, voir le géant de pierre. Et voilà, les vidéos de Indiana Jones, c'était du 30 FPS pile. Pile poil du 30 FPS à chaque fois. Donc 30 FPS constant, donc sur YouTube, ça me gênait pas du tout de les mettre sur YouTube. La qualité ne... Bah, on perdait pas du tout de la qualité du jeu. Alors que là, pour celui-là qui marche entre 50 et 60 FPS, c'est pas possible. Oui, à la montagne de glace. Are you ready to walk? Are you ready? Et c'est parti! Pourquoi je fais ça en fait? J'avais juste besoin d'aller dans le... Bon, c'est pas grave. Puisqu'on l'a fait, on l'a fait. Parce que j'avais juste besoin d'aller dans un autre chemin, parce que vous vous souvenez du garde là, on devait lui payer 25 scarabées. Bah je pouvais passer par là, mais bon c'est pas grave. Peut-être que c'est plus rapide ici, enfin non je pense pas, mais bon c'est pas grave. Au moins vous allez revoir la magnifique skill de Oliver Plasma sur un bolide. Ça promet que du bon. Oui, ça promet que du bon. Surtout là qu'on le repasse bien devant là. C'est vraiment un raccourci de fou. Alors on coupe la route. Comme ce qu'on fait souvent dans les Mario Kart par exemple. Quand on a des champignons, on peut couper la route en allant sur la pelouse. Dans Prairie Meumeux par exemple. On parle de Mario Kart alors qu'on est en train de faire Star Fox. C'est quand même énorme. Ah, mais tout me fait penser à Mario Kart là, Mario Kart 8 avec les sapins. Parce qu'on esquive des sapins hein, dans une course, hein, un circuit. Vous avez vu mon vidéo test. Ah, parce qu'on est sur un. Parce qu'on est sur une montagne et on descend de la montagne. Il y a trois sections au lieu de trois tours, on a trois sections. Donc on fait qu'un tour. En définitif. Et pourquoi je suis pas redescendu en bas? Ok. Oh là là, c'est con. Bon bah. Ah, je me souvenais pas, mais en fait, si, ça me revient. C'est vrai qu'on peut plus passer comme ça. Ouais. Ça me revient soudainement. Bah, finalement, on va peut-être mettre 20 heures. Si je fais plein de petites bourdes comme ça. On va pas bien avancer. Ah bah y a notre pote géant de pierre qui nous fait redescendre. On sprint. On fait des petites roulades. C'est pas très beau visuellement. Parce qu'on dirait... On dirait un fox constipé. Un renard constipé. Bon, il vaut mieux prendre quelques... Ah non, j'ai même pas vu. En fait, je suis au maximum au niveau des champignons.
Mais je suis pas au maximum au niveau des scarabées. J'en ai que 11. Donc il faudrait que je fasse gaffe. Et on a là aussi. Ah mais non, même pas, c'est juste... Bah souvent quand c'est des petites caisses comme vous avez vu, avant, c'est des caisses qui nous donnent des scarabées. Bon là je vais à un passage pour récupérer un peu de carburant pour mon vaisseau. Il faut prendre soin de notre vaisseau quand même. En prendre soin un minimum. Tiens, bon, en plus il y a un truc à exploser ici. C'est parfait. J'ai la musique en tête. Pourtant j'ai mis le son très bas. Mais j'entends quand même un peu. Ah, toutes les musiques sont bonnes hein, dans ce titre. Bah même dans le Star Fox suivant, Star Fox Assault, il n'y a pas une musique qui m'a fait chier. Hein. C'est vraiment très bonne les musiques. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que cette licence Star Fox continue sur Wii U. Ils en parlent toujours pas. Ils en parlent toujours pas également de Metroid. Ah bon, même si Metroid, un nouveau Metroid sur Wii U, bon, il fera peut-être pas grand chose. Moi j'ai plus envie d'un Star Fox, vous voyez. Et surtout d'un Star Fox Adventure. La suite. Mais bon, si c'est pas la suite, ce sera un Star Fox en shoot them up, enfin en shoot plutôt. Et bah, ça me semble quand même pas mal. J'aimais quand même bien Star Fox Assault. C'est juste que j'étais un peu déçu. Bon, on va ouvrir la porte, je sais même plus où elle nous mène celle-là. Je crois que c'est à la... Je crois que c'est à l'endroit où on est dans... Je sais plus comment il s'appelle, là, le col de la lune, là, un truc du genre. Je crois que c'est par là. Enfin, regardons. Cap Claw. Ah non, c'est pas du tout là. Cap Claw. Là, je me souviens, oui, Cap Claw, c'est la forêt, là. Où il y a les indigènes. Enfin, je vous en dis pas plus. On va voir ça tous ensemble dans la partie 3, sans doute. C'est quand même rendu assez loin dans le jeu, à ce moment-là, donc... on va pas le voir dans cette partie-là, ça m'étonnerait. Surtout si je suis déjà à 8 minutes alors que on n'a pas fait grand chose. Pas retrouver des boules de carburant, péter des bombes pour rien. Enfin voilà. Bon, je vais encore la péter parce que bon. D'accord. Une petite boule de feu dans le cul, ça fait du bien. Ah, il souffre hein, ce dinosaure. Ah, les mammifères, c'est ceux qui souffrent le plus. Oh voilà, 4, on va dire que ça peut aller. La vie, je pense que j'en ai pas besoin, non. Donc on va aller au raccourci. Bon, je vais tuer celui-là, parce que là, il me fait vraiment chier, lui. Si j'y arrive. Voilà. Parce que quand il nous repère, c'est fini. Après, il nous bouffe notre vie. Bon, même si quand on est touché, notre frame d'invincibilité est assez longue. Bon, un peu comme les Zelda, quoi. C'est exactement le même nombre de secondes. On est invincible. Ça fait le même temps que Zelda, quoi. Genre, on est invincible pendant 2-3 secondes, quoi. Quand on clignote en rouge. Ah voilà, là je vais pouvoir vous montrer quand on change le sens de l'eau. C'est-à-dire que je trouve voilà. Stay. Voilà, petit interrupteur là. Ah, et puis vu que je peux faire la fusée, je peux aller à un endroit maintenant. Enfin, je vais vous montrer ça. Bon, je l'appelle déjà. Bon, même si on va très très loin, il vient vers nous. Hein. Il va pas rester planté. Stay! Je resterai ici jusqu'au bout! Non, ce sera pas non plus ça. Ah, c'est pour avoir deux boules de carburant, je crois. Si on débloque ça. La visée est vraiment galère. Ah bah oui. Ok.
tout à fait. Deux boules de carburant, ce qui est vraiment important. Les boules de carburant sont très importantes pour pouvoir continuer dans l'aventure, bien sûr. Pour pouvoir être à bord du Airwing. Un peu logique. Bon, aussi, à la fin du jeu, on voit... vous avez remarqué qu'il y avait un membre en moins dans la team Star Fox. Eh bien, fait, tout simplement. Enfin, je vais pas vous dire qui c'est, mais on va le voir à la fin du jeu. J'aime bien spoiler. Non, mais je crois que la plupart qui regardent mes vidéos ont peut-être déjà fait le jeu. Si c'est un jeu qui commence à dater, déjà. Donc lui, il faut lui donner quelque chose, je crois. Enfin, faut lui parler plutôt avant. Le mammouth piégé. Infernal cave. If you can bring me frost weeds, I'll be strong enough to get myself out. Perhaps the young prince can help you. Hurry, boy. Mon dieu, la baston! En fait, cette mission consiste à nourrir le mammouth. Donc on doit taper sur cet arbre. Enfin, au début, on le sait sans doute pas. On doit taper sur l'arbre. Putain, j'ai pété le truc. On doit taper l'arbre pour pouvoir faire sortir ça qui nourrit le mammouth. Là, normalement, il va l'aspirer, il veut pas l'aspirer. Ok, ça a disparu. C'est bien parti. Cette mission, elle peut être prise de tête, hein, parce que avec les ennemis à côté, ils nous font chier jusqu'à la fin, parce qu'ils pop à l'infini. Bon, je vais quand même m'en faire quelques-uns pour être un peu moins gêné. Bon, lui, il se protège. Bon, il y en a un qui pop direct. Je préfère plutôt... ça. Remarquez la musique épique. Oh purée. Allez, vas-y. Voilà, on les pousse un peu et normalement, voilà, il en a rattrapé deux et donc sa barre de vie va pas mal augmenter. Ah non, il a pas trop envie de bouffer là. Ah si, c'est bon. Purée, trois d'un coup. J'ai jamais fait ça, c'est un coup de maître. Ah, the young prince! Who is this with you? This is my friend Fox McCloud. My mother sent us to find you. Well, I am Garunda Tay, Spellstone Gatekeeper of Dark Eyes Mine. We're looking for a spellstone. A spellstone? It is my duty as a gatekeeper to guard the land from which a spellstone is forged. General Scales took the spellstone and discovered that I was a gatekeeper. He gave me an ultimatum. Allow him to take the spellstone back into the sacred land or he would destroy my tribe. I could not risk the safety of the entire planet, so I refused to help. My daughter did not think this way. And so, to save the tribe, she opened the gateway herself. Scales did not destroy my tribe. He enslaved them instead. My daughter dishonored me. You must search for the spellstone within Dark Ice Mines and return it to the Volcano Force Point Temple. Only then will the spellstone's power be returned. I will open the gateway. Magnifique. Et voilà, il nous a ouvert le passage pour pouvoir aller dans d'autres morceaux, à d'autres morceaux de la planète. Oui, parce que c'est pas différentes planètes, comme je le disais au début. Même si on pourrait croire, mais vous avez vu dans la première partie que tout a été expliqué à la fin, je crois. Ouais.
Et donc par où commencer? Ben, je vais passer par là. Je vais reprendre mon Airwing et c'est parti. Donc voilà, une cinématique pleine de rebondissements, vous avez vu la fille du gardien qui s'est laissé faire. Comment est-ce possible? Elle a préféré être dans l'optique du général Skez. Parce qu'elle se disait que les mammouths n'avaient pas le choix parce que ne pouvaient pas faire face au grand général Skez. Et aussi à son ordre de sbires qui sont merdiques. Qu'on tue en un coup. Non, je... Ah, et les mammouths, ils font deux fois leur taille, mais ils sont pas capables de les vaincre. Et donc ils sont devenus des esclaves et c'est triste et j'ai envie de pleurer. Bon alors, le Airwing qui n'est pas très loin, puisque là on est à la vallée Thorntile. Magnifique glissade. On va peut-être récupérer de la vie, hein. Je sais pas, il y en a peut-être récupéré. Oui, on va pas en perdre, on va en récupérer. Oh bon, c'est pas grave. Si je suis pas full vie, c'est pas grave. Je change rien parce que je crois que de toute façon, quand on est à bord de notre vaisseau, on a tous nos cœurs après. Non, je pense. Donc voilà, hey, c'est fort quand même, hein, ce vaisseau. Hein. Il peut même transporter les dinosaures, vous avez vu. C'est pas rien. Hein. C'est vraiment le thème qu'on retient le plus. Que de bons souvenirs ce jeu. Donc voilà le premier morceau, on va dire, sur lequel on va aller. Le premier monde, si on peut appeler ça un monde, oui. Donc voilà. Il y avait Sleepy qui nous disait des informations sur ce continent, mais bon, on s'en fout un peu. Je crois qu'il nous disait surtout les... J'ai même pas lu. Mais je crois qu'il nous expliquait ce qu'on devait faire là-bas, quoi. Mais bon, on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Alors, les anneaux qui nous permettent de récupérer de la vie. Je sais pas si je l'avais dit dans la première vidéo. Bien sûr, on peut tirer avec le bouton A et... On peut faire des gros tirs, mais on est vraiment limité. On peut lancer des grosses bombes avec le bouton B. Ok, ça n'a pas explosé. Enfin, je recommence. Voilà, magnifique explosion. Non, les explosions sont pas très bien rendues. Mais bah même ces niveaux-là sont pas très bien rendus eux-mêmes. Hein. C'est pas des niveaux exceptionnels. Bon, aussi avec le bouton Y, on peut sprinter. Wow. Et puis, par contre, je pense pas qu'on puisse aller moins vite. Ah si, peut-être avec X. Ah si, on peut aller moins vite. On peut freiner. Donc voilà. Pas mal d'options, bah toutes les options qu'on avait dans les anciens Star Fox. Même Star Wing, le tout premier, pouvait faire ça. Alors qu'on est quitté que sur Super Nintendo. Et même le vaisseau est détaillé quand même. Moi, j'ai toujours du mal à croire que ce jeu est sorti en 2003, hein, même un peu avant. Voilà, vous voyez, on est dans une espèce de grotte. Bah, après, on sera souvent dans une espèce de grotte en lave, là, comme ça. Mais bon, là, on va voir les mammouths, donc ça m'étonnerait qu'il y ait de la lave. Vous avez vu ces passages de plateforme très difficiles à faire, à exécuter. Je crois que lui, il va peut-être nous laisser de la vie, parce que j'ai perdu quand même un cœur. C'est pas rien. Voilà.
Même les ennemis nous aident. Ouais, faut détacher celui-là, ce mammouth-là. Ah, je m'en souviens très bien. Pouvez-vous m'aider à me libérer? Ouais, faut libérer ce mammouth. Faut donc trouver la clé. Trouver la clé de la laisse. Ah oui, c'est bien de laisse. Hein. Les mammouths sont pris pour des chiens. Bon, on va se faire encore des ennemis. Bon, les combats sont quand même assez répétitifs. Bon, c'est toujours fun de se battre avec un bâton magique. On pourrait croire. On pourrait se croire dans Doremi magique là. C'est pas rien. C'est incroyable, je me fous même de la gueule des jeux excellents. Bah, comme quoi. Voilà, c'est plus un thème d'ambiance. La musique, là, on entend des gouttelettes d'eau et tout. Il y a vraiment une ambiance spécifique, hein, souvent un jeu. Mais quand on est dans les grottes comme ça, on entend vraiment... bah, on s'y croit, quoi. On croirait vraiment être dans une grotte. Et surtout, vu que le jeu est tellement fluide, que on s'y croirait dans ce jeu. Ça me fait chier de pas vous montrer du 60 fps. Je sais même plus ce que j'ai récupéré. Ah si, la clé. Ah, et puis le thème est assez mélancolique. Quand on était dans la grotte, là. Un thème assez mélancolique, mais de très bonne facture. Donc, franchement, mais tous les thèmes sont excellents. Thank you for releasing me. If you're heading down into the mine, then please look out for Belina Tay, the gatekeeper's daughter. She didn't mean to get us into this mess by telling Scales about the spellstone. She did what she thought was right. Please help her. Okay, lady. I'll keep a lookout for her. This might be of use to you. I found it while I was working. It looked important, so I hid it from the sharp claws. Okay, lady, let's go. On va souvent avoir affaire à des rouages, comme ça. D'ailleurs, on trouvait pas mal. Ah oui, là, c'est pour qu'il crache des flammes. Récupère la pierre magique et sauve notre tribu. Moi, un petit renard innocent qui se bat avec un petit bâton en bois. Non, je rigole. Voilà. Les rouages. C'est pour enclencher le mécanisme. Vous l'avez vu dans le top 10 des jeux de GameCube. J'ai mis ça dans le montage. Voilà, une énigme rondement menée. C'est une victoire. Moi, j'ai peut-être un peu gagné de temps en allant assez vite ici. Parce qu'avant, au moins, je viens de l'apprendre, hein, que ça nous remettait au début quand on refaisait la course. Enfin, je viens de l'apprendre. Je savais déjà, mais je l'avais oublié. Ouais, bah, vaut mieux que je retourne là-bas. Oui. Je continue plutôt parce que c'est là qu'on va apprendre un nouveau coup. Bon, d'abord on va faire métallieuse Gatling, coup de la Gatling, et voilà. I am forever in your debt. I see your little friend has yet to learn his flame command. Youngster, give it a go. If I wasn't so exhausted, I could help you through the main gates. I need some food.
Alors, encore. Il me faut de la nourriture là. C'est un motif freestyle. Je l'ai battu, mais je sais pas comment, un motif freestyle. Et c'était pas mal le coup de la Gatling, hein. Je vais peut-être recommencer. Hein. On perd pas mal de magie par contre, mais ça vaut le coup. Faut pas que je l'utilise tout le temps. Parce que de la magie, on va en avoir souvent besoin pour résoudre des énigmes. Ah, mais c'est pas possible, il y a des ennemis à l'infini là. Ça, c'est vraiment le meilleur coup, le coup qui a le plus de classe là, le jonglage avec le bâton. Et voilà, nouvelle icône, l'icône du feu. Il peut nous cramer, hein. C'est un peu con. Par contre, je pense que les sous-titres n'étaient pas... enfin, je sais pas, ils étaient peut-être pas complets, parce qu'il avait pas marqué le pouvoir du feu. Enfin, il a juste dit « essaye », et puis c'est tout. Et comment il a su que c'était pour cracher des flammes. Alors ça aussi j'ai mis dans le top 10. Indiana Jones et le temple glacier. Partie 1. Bon alors oh purée, il a déjà repopé lui. C'est pas vrai, c'est quoi ces chauves-souris de merde? Il repop direct. Tiens, je te donne à bouffer. D'accord, je l'ai tapé. Je crois que quand on le tape, en plus, il aime pas. On va descendre. Bon, je vous laisse un peu écouter le thème. Vraiment un thème pas mal. Bon, je vous ai pas tout fait écouter, mais c'est pas grave. C'est quand même un thème. Bah, à l'époque, je m'en souvenais de ce thème. Je m'en souviens toujours. Et... voilà, souvent des petits thèmes comme ça. Et en plus, on peut vraiment croire qu'on est dans une grotte. Hein. C'est le thème parfait pour les niveaux de grotte, je trouve. Voilà, on récupère encore l'espèce d'ananas. Voilà. C'est, comment ça s'appelle déjà? Je crois qu'on peut voir le nom. Racine Alphine. D'accord. J'ai transpercé. Mon bâton a transpercé le bonhomme. Vous voyez quand même, il repop super rapidement. Je suis sûr qu'il y a déjà la chauve-souris. Ah bah oui, on voit son ombre, c'est magnifique. Comme quoi. Donc sinon, j'avais pas tout fait. Je crois qu'il y avait un endroit pas loin. Ah bah si, en fait, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les huttes. Enfin, sauf une complètement barricadée. C'est... il y aurait peut-être quelque chose derrière, j'en sais rien. On va récupérer un peu de la santé et un peu de la magie. Ah, il est quand même déjà à deux champignons en moins. Ça part vite. Si ça se trouve, ça utilise deux champignons en fait, cette technique-là. Quand il crache les flammes. Ah mais il a même pas encore craché ses flammes alors que je lui ai dit de le faire. C'est pas possible. Ouais, ça servait à quoi? Juste pour prendre de la magie? Ok.
une utilité incroyable. Les gros, ils peuvent pas cracher des purées. Les gros, ils peuvent pas cracher des boules de feu. Mais à la place, ils nous donnent des coups de tête. Ce qui peut être énervant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il y avait un truc là-bas. Je suis pas sûr. Si, en faisant le montage du top 10, si, je m'en souviens. Donc, on va lui donner un petit champignon et puis je vais tuer les champignons aux alentours. Parce que moi je suis un économe. J'économise tout. Allez, deux racines pour lui. Je pense que ça va lui suffire. Faut toujours leur donner deux racines quand même. Ah, ils ont vraiment faim. Par contre, faudrait que Sleepy là. Le Sleepy Tricky se bouge un peu. Parce que des fois, il n'y a pas l'icône C qui apparaît. L'icône C qui me permet de soigner. Enfin, de lui donner les champignons. Et voilà, le beau gosse. Firefly! Better now. Get on my back. Let's smash those gates. Let's go. On va défoncer ces portes. Le thème des mammouths, toujours aussi culte. Et voilà, la phase avec le mammouth. J'avais pas montré dans le top 10 d'ailleurs. En même temps, c'était pas. Enfin, si, j'avais fait en fait. J'avais filmé ce moment-là, là, quand j'étais sur le mammouth. Mais je l'ai pas mis dans le montage. Sinon, il sera peut-être un peu trop long. Oh là là, une phase d'action! On va devoir tuer quelques ennemis. On voit une porte rouge. En fait, ça sert un peu à rien maintenant que je suis avec le mammouth. Si j'ai envie de lui cramer les fesses, mais on peut pas le faire sur les torches, je sais pas. Alors on descend du mammouth. Et c'est parti pour la quête du siècle. Et je crois que j'avais une racine en plus là. Je sais pas à quoi elle va servir l'autre d'après. Non, j'ai plus de racines. C'est bizarre. J'en avais pas trouvé deux. Il faudrait que je regarde la vidéo, moi. Je crois en avoir trouvé deux des racines. Ah, ou alors je vais donner les deux d'un coup. C'est pas lui en donner deux, quoi. Ah bah, j'ai peut-être bien intuité. Ouais, il va cracher ses flammes. Là, il va y avoir un énigme avec les rouages, si je me souviens bien. Et oui, je me souviens bien. Ah, mais c'est comme si c'était hier. Mais c'était hier. Non, je rigole. On va monter par là. On va déjà prendre le canon qui est en possession des sbires de Scales. Je sais pas si c'est... Enfin, les sbires de Scales sont... en train de posséder
ce canon. Alors qu'il n'y a personne derrière le canon, on sait pas pourquoi. Mais le canon tire tout seul. Vous allez voir, il n'y a personne qui tire. Là, je suis celui-là qui était ici. Et voilà. Voilà, il va falloir tuer des ennemis. Ah, ça semble compliqué pour notre cher ami Fox. Fox McCloud a eu l'habitude de contrôler un Airwing et pas de contrôler un canon. C'est trop ancien pour lui. Voilà, ça nous expliquait juste que qu'on peut doser notre tir. En restant appuyé sur A, on tire plus loin. Enfin, plus on reste appuyé sur le bouton A et quand on le relâche, plus le tir sera lointain. Et si on appuie, bah là j'ai fait un tout petit tir. C'est-à-dire que j'ai vraiment appuyé sur A au minimum. Hein. J'ai fait un petit. Voilà, si vous avez bien entendu. Bah, je me débrouille plutôt bien. Bon, on va détruire ce passage là, si j'y arrive. Et aussi ça nous disait que ça consommait de la magie. Donc vous voyez que je perds un peu de magie en utilisant le canon. Ça veut dire que les dinosaures, quand ils utilisent ça, eh bien ils perdent de la magie. Alors qu'ils ont pas de barre de magie. Non, je sais pas. D'accord, j'ai complètement loupé. Purée, il va encore rentrer dans sa hutte. Ah, mais c'est pas possible. Il va toujours rentrer dedans. Ah oui, voilà. Perfecto. Et maintenant, bah, on peut récupérer ce qu'il y a en dessous. Bon, d'abord, je vais un peu récupérer de la magie, c'est très important. Sachant que les diamants rouges, on récupère, on va dire, moyennement de la magie. On en récupère quand même pas mal. Les diamants jaunes, je crois que c'est les pires. On récupère rien du tout. Ah non, non, non. Les diamants jaunes, ils sont mieux, je crois. Même mieux que les diamants rouges. Mais les diamants verts, on récupère que dalle. C'est pas grand chose. Et c'est les moins rares. Et puis les diamants bleus, c'est les mieux. Je crois qu'avec cela, on récupère presque toute notre énergie. Notre mana. Bon, vu que... vu qu'on n'a pas beaucoup de mana, là, ben, c'est pas d'une grande utilité de récupérer des diamants bleus. À la place des diamants jaunes. J'adore expliquer les trucs qui ne sont pas trop importants en fait. Et voilà, nous avons deux engrenages. Je sais pas si on en a assez, je crois qu'il faut en avoir 3. Ah mais non, mais je suis con, je viens d'ouvrir un passage. C'est bien sûr, c'est par là qu'on va récupérer le troisième engrenage. Ouais. Il va cracher un peu de flamme. Voilà, diamant jaune. On récupère pas mal. Magnifique. Ta 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 ta. Ah, je suis vraiment surexcité aujourd'hui. Bon alors, voilà. Donner quelques petits champignons à notre petit protégé, puis on va pouvoir continuer tranquillement notre chemin, notre aventure épique, si épique, tellement épique que je mets 3 plombes à viser des dinosaures qui se cachent sous leur hutte. Bon, pour l'instant quand même je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. On va positionner les engrenages que j'ai normalement dans mon inventaire. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et parce qu'il y en a un qui est plus petit que d'autres, enfin voilà. Voilà.
voilà, les trois engrenages, c'est parfait. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de die and retry, hein, puisque quand même je connais assez bien le jeu. Je vais pas trop me planter, je sais que des fois il faut pas attaquer certains ennemis. Qui sont très résistants et... Enfin, je vous ai dit dans la première vidéo qu'on va souvent rencontrer les mêmes ennemis un peu. Bah, c'est vrai qu'on rencontre assez souvent les ennemis, les dinosaures bleus là, comme vous voyez avant. Les tyrannosaures, hein, enfin... Et on va rencontrer plutôt après des dinosaures verts. Ils sont un peu plus costauds, ils sont un peu plus gros. Plus costauds, voilà. Ils ont un bouclier. Bon, quelquefois on va voir des sbires de Scales qui sont plus résistants que d'autres. Mais ce sera presque toujours des dinosaures. Par contre, comment on enclenche ce truc là? Ah. Comme quoi il faut souvent regarder avec la boule de feu. Avec ça. Et voilà, là c'est un petit défi. Bon, vu que c'est... l'un des premiers défis, c'est très très facile. Parce que là, vous voyez qu'on est timé. Mon dieu, il reste que 50 secondes. 50 secondes pour mettre des putains de flammes. C'est très difficile. 4 flammes en tout. Les 4 côtés à brûler, mais on n'a pas assez de secondes. Alors, vous voyez que c'est extrêmement facile. Mais bon, plus on continue dans l'aventure, encore une fois, et plus ça va être difficile. Et je vous dis un truc, ce jeu, quand même, n'est pas si facile que ça. Bah, c'est pas par exemple, comme Beyond Good and Evil. C'est vrai qu'il y avait une certaine difficulté dans Beyond Good and Evil. Mais bon, on sentait quand même que le jeu n'était pas très difficile. Hein. La plupart des joueurs peuvent le finir. Même s'il y a certaines énigmes, des fois, on peut vraiment être paumé. De pas savoir, parce qu'à un moment j'étais paumé et je savais pas qu'on pouvait sauter par-dessus des rayons. Sauter par-dessus des rayons rouges avec le Lovercraft. Vous savez, quand on appuie sur le bouton B pour sauter. De toute façon, vous savez sûrement, vous avez vu mes vidéos de Beyond Good and Evil. Enfin, j'espère. Elle date maintenant déjà. Enfin, de toute façon, je vais faire comme pour Beyond Good and Evil, pour Star Fox, là. Je vais d'abord finir de mon côté les vidéos, je vais les compresser tout ça. Puis dès qu'elles sont toutes prêtes, et ben, je mettrai, à partir de ce moment-là, je mettrai la partie 1 en ligne. Donc vous n'aurez pas comme Rayman 1, par exemple, vous n'aurez pas... comment dire, un let's play infini, qui n'est pas encore fini. Attendez, j'ai récupéré quoi en fait? Je crois que j'ai récupéré le truc, l'instrument, oui, voilà. Bon. Maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Faut revenir. Ah, mais bon. Faut revenir là où il y avait une tempête de neige. Pour pouvoir appeler le mammouth. Avec l'instrument que je viens de récupérer. Donc, vous voyez ce genre de truc, on le sait pas direct, hein. Enfin, quoique je crois que c'était quand même décrit à quoi ça servait, mais après il faut savoir dans quel endroit il fallait y aller, donc c'est un peu toute des merdes, et puis voilà. Bon, vu que je connais quand même bien le jeu, voilà. Allez pépère, je sais que tu peux avancer plus vite. C'est pas possible. Alors, on est entouré que de vieux mammouths. Hein. Bon, et puis là, ce qui est trop con, c'est qu'on doit le faire manger. Là. Hein, vous allez voir. C'est complètement con. Parce qu'il a une espèce de barre... on va pas dire que c'est une barre d'oxygène, là. Voilà, pour pouvoir guider le Snowhorn
À travers le bizarre, il faudra lui donner des racines d'alphine, chercher-les par terre et marcher dessus pour qu'il les mange. Donc voilà, il va les piétiner et il va les manger après. C'est toujours meilleur quand on piétine les aliments avant. Non mais, c'est vraiment des mangeurs de racines, hein. Ces mammouths. Ouais, donc bon, c'est pas une phase difficile non plus, hein. On voit quand même les racines d'assez loin. Même s'il y a quand même le bizarre, voilà. Avec le brouillard, ouais. Mais bon. Quelqu'un qui a une bonne vue comme moi ne doit pas galérer. Sinon, ceux qui ont des lunettes, je vous dis bonne chance. Ça devient vraiment du freestyle, mais bon, j'ai pas trop grand chose à dire. Ouais, voilà. Là, faut aller entre les deux torches et c'est bon. On a fini. Donc voilà, petite mission qu'on a bien. Qu'on a géré. Tricky! Your friend will turn up. They usually do. Maybe I can help until he does. Un petit qui revient toujours. J'espère que c'est pas un chaton. J'espère qu'il a pas le comportement d'un chaton alors. Les chatons ne reviennent jamais. Bon voilà. Je réfléchis à quel truc je veux dire en fait. Donc là on peut pas récupérer de scarabée, mais en même temps regardez la taille du rocher. Je pense pas que Fox pourrait porter ça. En servant de son bâton enfin, qui peut servir comme manivelle, c'est pas mal, enfin, comme levier plutôt. Pourquoi je dis manivelle moi? Donc voilà le rubis vert, le moins important, et voilà, on est reparti pour une phase de course. Comme par hasard, puis quand on prend la machine, tout se met en marche et même le pont-levis, il descend. Ah, tout a été calculé. C'est les scripts de la nature. Ah, bon, cette phase-là est très facile et en plus on n'est pas poursuivi par d'autres méchants. Donc bah, c'est très facile. On peut pas perdre. On y va tranquillement. Je peux aller tranquille pépère faire le moteur à pépé si vous voulez. Moteur à pépé. Non. On va pas faire le moteur à pépé. Moteur à pépé, invention dans Mario Kart. Je le fais très souvent quand hein, pour narguer ceux qui sont derrière moi. Bon là on va avoir une phase très stressante. On va devoir esquiver les flammes. D'accord, c'était un fail magnifique. Oh purée, je me fais attaquer là. Oh, il m'attendait tout proche, lui. Il était tout proche. Il m'attendait bien sagement à côté du piège. C'était vraiment un fourbe. Ah, ils sont assez fourbes hein, quand même. Assez espiègles, malins, mal intentionnés. Enfin voilà quoi. Et voilà. Bon bah. Voilà le hamster mammouth. Un mammouth esclavage. Un esclave mammouth. Ah bah d'accord, il me poursuivait par derrière lui. Vous voyez, c'est que des fourbes. Ah, ils n'attaquent jamais à l'avant, hein, sauf si on les voit bien sûr. Si on leur fonce dedans. Quand c'est eux qui nous foncent dedans, c'est toujours par derrière. Faut faire vraiment gaffe à ses ennemis. Ah, et là, on va devoir avoir besoin de Tricky. Mais bon, vu qu'il est prisonnier quelque part, on l'entend en train de gueuler. Il nous appelle. Ah, vous allez voir.
je vous montre ça deux secondes, bon, ça sert à rien d'aller tout de suite ici. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'il nous voit pas, enfin je crois pas qu'il nous voit. Non, il vient pas vers nous et tout. Interaction avec avec les personnages, zéro. Et puis là, devinez qui est prisonnier là. Eh bien, bien sûr, c'est la fille du gardien. Enfin, mais... vous me prenez pour un con. Bon, alors là, on est dans une grotte, donc on va souvent avoir affaire à des stalactites, des stalagmites, des draperies, tout ce que vous voulez. Des colonnes. Ah, je m'y connais. Et aussi une roche magnifique. D'accord. Par contre, je me suis fait toucher par le boulet, mais il m'a même pas touché parce que j'étais en mode de tir. C'est con. Ah merde. Là, il faut pas être trop proche du mur parce que le mur est un peu chaud, on va dire. Voilà, ça brûle. Franchement, quand on peut voir la grotte, on pourrait croire que c'est le dernier niveau du jeu. Alors que nous sommes au début de notre aventure. Une aventure épique. Une aventure en solitaire. Sans Firefly, hélas. Bon, c'est pas très réaliste quand on se protège comme ça. C'est même pas du tout réaliste. Mais en fait, c'est un truc de fou, je sais même pas ce que j'ai récupéré. Mais bon, je pense que ça doit être la clé pour libérer notre pote. Parce que quand je réfléchis, et bien en fait, je sais même pas ce que je fais. Là, vous voyez les colonnes en forme de draperie, très bien fait, très bien réalisé. Jeu de 2003. Alors qu'après, il y a des jeux de PS3 comme... comme comment Silent Hill, c'est 10 fois plus moche. Et après, je comprends pas. Ce jeu est vraiment en avance sur son temps. Et ça, je pense que je vais vous le dire des millions de fois. Bon, même si c'était un mauvais exemple d'avoir dit tiens, on peut parler à nos potes. Je t'ai perdu dans le bizarre. Un des Sharp Claws m'a trouvé. Et m'a jeté dans cette cellule puante. Ah. Bah ça pue sans doute le soufre. Bon, je suis encore tombé. Ah là là, décidément, il y aura toujours un fail dans une vidéo. Encore ça, c'est des vidéos d'une heure, donc... on va dire que c'est passable. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai même pas perdu de vie. C'est ça qui est assez étrange. Des fois, on perd de la vie en tombant, mais pas là. Quoique, attendez. Je pense à un truc là. Ah non, c'est bon, j'ai pas perdu ma one-up. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Et donc là, on va récupérer la clé qui nous permet d'ouvrir la cellule de gauche. Juste à côté de la cellule de notre pote pour sauver la pauvre petite fille sans défense. Enfin, petite fille, c'est un gros mammouth. Mais voilà. Enfin, sans défense, elle a 2 défenses et elle s'en sert bien, vous allez voir. Ce thème est culte également. Vraiment, RareWare, de toute façon, il n'y a presque aucun jeu où ils sont bâclés. Peut-être le moins bon, c'est peut-être GoldenEye, mais il y en a peut-être qui vont me gueuler dessus. Moi, j'ai jamais été trop à fond dans les FPS. Who are you? I am Fox, and this is the Crown Prince of the Earthwalkers. We've been sent by the Snowhorn Gatekeeper to find the Spellstone. Do you know where it's hidden? My name is Belina Tay. The Gatekeeper is my father. Did he send you to rescue me? I'm sorry, Belina, but he feels you have betrayed the beliefs of the Gatekeepers.
We were only sent to find the Spellstone. The old fool. I had to save the tribe. If it wasn't for my father being a gatekeeper, none of this would have happened in the first place. Au secours. Belina, are you there? Listen carefully! Find a way to the bottom of the mine! I'll meet you there! Okay. Vous avez vu cette technique, elle savait tout de suite que c'était pas un endroit sans issue là. Même si elle faisait un éboulement après, vous pouvez passer plus loin, creuser comme une taupe, et c'est parfait. Donc voilà, là ce que j'ai trouvé étrange par contre, c'est que on passe d'une grotte enflammée à une grotte glaciale avec de la glace et tout. D'abord lui donner un peu de champignons. Notre petit ami Chucky. Et je vais remettre ça. Voilà. Je vais réassigner le bouton. Pour pouvoir aller plus vite. Pour sélectionner ce truc là. Purée, mais c'est pas vrai. Il est chiant cet ennemi. A chaque fois je me fais toucher par cet ennemi, à chaque fois quand il pop. C'est un truc de fou. Faut faire gaffe parce qu'on glisse assez facilement. Ah, attends, je vais d'abord me faire cet ennemi parce qu'il me fait chier. En fait, ça a servi à rien d'aller ici. C'est pour plus tard. Et parce que je suis très préparé, vous avez vu. Non, je me souviens à l'époque avec mon père, on cherchait, on savait pas quoi faire ici. Et bah, devinez ce qu'il faut faire. Vous voyez là les stalactites. Ceux-là. Les stalactites en forme de draperie un peu. On peut pas les faire descendre. Alors que par contre les stalactites un peu moins bien modélisées, on peut les faire descendre. Mais WTF. On s'est fait avoir quoi. Enfin on a quand même trouvé au bout d'un moment parce qu'avant on n'avait pas internet. En plus je crois que c'était moi et j'avais dit tire sur les stalactites. Sans vouloir me vanter. Puis voilà, on a sauvé. On a réussi à sauver un blocage. On allait être bloqué sinon, si je savais pas ce truc là. Franchement, la première fois, tu le fais. On a fait des allers-retours pas possibles et tout, et on perdait de la vie et tout. On avait presque plus de cœur après. C'était un truc de fou, on avait même perdu la one-up. Je me souviens. C'est l'un des rares jeux où je me souviens. Très très bien, alors que ça fait très longtemps que j'ai tout fait. Bon, c'est un jeu inoubliable quand même. Bon, il remonte quand ce con. Oui, on n'oublie pas ses ennemis aussi, ça c'est sûr. Donc, voilà, bah là la musique est plus calme, alors qu'avant c'était plus une musique. Comment dire, c'était les femmes, c'était l'enfer quoi. Oh purée, j'ai entendu, purée, il a repopé ce con. Le problème c'est que quand je donne des coups de bâton, et ben je risque de tomber parce que il fait un pas en avant. Ah, si vous avez entendu un bruit, c'est rien. C'est l'un de mes jeux de NES qui s'est un peu cassé la gueule. D'ailleurs, les jeux de NES, on va en parler. Je pense pas que je vais filmer sur un émulateur parce que j'aime pas ça. Filmer sur un émulateur, bon, je serais obligé pour les jeux de Super NES, tout ça. Enfin, ça m'étonnerait que je vais faire beaucoup de vidéos sur la Super NES, ni la Nintendo 64, parce que c'est deux consoles. Enfin, non, la Super NES, je l'ai pas eu à l'époque. La Nintendo 64, je l'ai connue juste à l'époque.
C'était un ami qui l'avait, qui l'a toujours d'ailleurs. Alors par contre, la Super NES, je l'ai pas du tout connue à l'époque. J'ai juste entendu parler Super NES, Donkey Kong Country. Voilà, c'est tout. Je suis bloqué. Faut surtout pas rester trop longtemps dans cette eau glaciale parce qu'on perd de la vie au bout d'un moment. Donc là, attends, qu'est-ce que j'ai fait tomber un bloc, mais à quoi ça sert? À rien. Faut aller là. Voili voilou, on va avoir droit à une cutscene, je crois. Ah non, c'est pas encore là. C'est pas comme Beyond Good and Evil où tu te souviens parfaitement où sont les cutscenes. C'est il a parlé qu'il faut aller, je crois. Ouais, de toute façon, on n'est pas encore allé ici. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter peut-être la vidéo, ouais, en battant le boss à la fin. On est déjà à 1h02 de vidéo. Donc, je pense que ce sera plus sage de faire une vidéo pas trop longue. Même si elle est déjà longue. Bon, même, ça sera parfait pour conclure cette deuxième partie en tuant un boss. Ce serait le perfect. Ah voilà, c'est là qu'il va y avoir une cutscene avec notre ami, je sais plus comment il s'appelle déjà. Le mammouth ultime. Belina, you made it. It hasn't been easy. Now where is that spellstone? My father didn't say exactly where it was, but he knew that General Scales had hidden it somewhere close. Look carefully. I'm sure you and your little friend can find it before they do. Time is short. You must find the spellstone. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Vous avez vu la définition des jeux de GameCube. Tu cherches tout seul, tu te démerdes. Et c'est ça que j'aimais bien dans les jeux de GameCube. Bon, même sur Nintendo 64, c'était également ça avec Mario, le grand Mario 64. Bah, c'était souvent ça, les jeux 3D, les premiers jeux 3D. C'était souvent tu te démerdes, cherches. Même les derniers sur GameCube, comme Resident Evil 4, enfin. Je dis Resident Evil 4, mais bon, le jeu est assez linéaire. Donc bon, Resident Evil 4, on s'y retrouve quand même. Mais bon, certains jeux, bah, comme ce Star Fox, qui est un espèce d'open world, où on sait pas trop où aller. Bah, il vaut mieux pas être un joueur habitué aux jeux de PS3 ou Xbox 360. Hein. Sinon, on est mort. Ah, parce que c'est pas avec Follow Me pendant toute la mission. On va s'y retrouver dans ce genre de jeu. C'est ce que je préférais dans les anciens jeux, c'est que les anciens jeux, au moins avant, la plupart des vrais gamers aimaient ces jeux. Ils étaient plus tournés vers les gamers que. Mais qu'est-ce que je fais là? Freestyle. Il va mourir un jour. C'est n'importe quoi. Voilà, là c'est pour pouvoir se téléporter là-bas pour avoir un crasoa, je crois. Ou alors se téléporter ailleurs. Ah non, c'est pour trouver la pierre précieuse, là, la pierre ultime, là, je sais plus comment elle s'appelle. On va se les faire vite fait, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les pousser dans la lave. Voilà. Et je sais plus comment monter là. Je crois qu'il y avait une échelle. Ah oui. Une échelle pour pouvoir monter. Je crois qu'il y a une bombe là. Ah bah oui. Une bombe pour pouvoir péter un chemin là-haut. Alors vous allez voir. Putain non. C'est très bien parti. Ah, le suspense est à son comble. Est-ce que je vais failer encore une fois? Ah bah oui, j'ai failli encore une fois. Bon bah il n'y a plus de suspense. Hein.
ce passage n'est pas très facile, donc je me concentre. Faut savoir l'itinéraire exact des tonneaux. De toute façon, tous les tonneaux font exactement le même itinéraire. Par exemple, là, ils vont à chaque fois tomber ici. C'est qu'ils font des espèces de slalom. Par exemple, là, il vaut mieux que j'aille à gauche. C'est pas si facile que ça. Voilà, et surtout que si là on perd, bah je remonte, je me retape tout. En plus ça m'est arrivé une fois où j'étais monté là et puis pile à ce moment-là il y a un tonneau voilà qui me fonçait dessus à la fin. Ça m'a bien fait chier. Et donc là bon bah ça faut le savoir. Là quand il y a le symbole bombe en dessous, c'est à dire que on peut placer la bombe ici pour qu'elle soit transportée par une espèce de machine voilà là-haut qui va normalement descendre. Non, elle va peut-être descendre si je lui ordonne de descendre avec un interrupteur. Faire gaffe, faut pas tomber. Donc voilà ce que je trouvais. Ce que je trouve moins bon, moins bien dans les jeux actuels, c'est que on est trop assisté, il y a trop du suis-moi. Dans Call of Duty par exemple, franchement, le mode solo, tu payes 70€ pour de la merde. C'est ça. Heureusement, il y a le mode multi qui rattrape tout. Même si moi je joue jamais à Call of Duty. Donc. Je sais que le multi, c'est vraiment le point fort de cette série. C'est vrai que les jeux où tu te débrouillais par toi-même, sans l'aide d'internet, bah maintenant les jeux actuels sont tellement faciles, et tellement mais pas prise de tête, la plupart, que on n'a pas besoin d'internet et dès que on se retrouve à un jeu comme ça là sur GameCube, il faut un peu se creuser les méninges, même beaucoup. Eh bien, il faut plus. Il y en a, je suis sûr, s'ils sont pas habitués à ce genre de jeu, les jeunes joueurs, tout simplement, qui ont peut-être une PS3 et qui sont achetés une GameCube peut-être après ou une PS2, ils doivent quand même aller souvent sur le net pour regarder des solutions. Bon, heureusement, la Wii par exemple, c'est l'une des seules consoles actuelles qui ne propose pas des Follow Me. Ah, on n'est pas trop assisté sur les jeux de Wii. Encore ça va. Enfin, sauf sur les jeux de Mario. Bon. Enfin, c'est juste parce qu'ils sont plus linéaires. Par contre, là, j'ai ouvert un truc, mais je sais pas trop. C'est super, je me fais cramer. Je mets le bouclier parce que c'est une technique. C'est pour pas perdre deux barres. Dans mon... Enfin, c'est pour pas perdre un quart de cœur. Un quart de cœur, purée. Mais je suis en train de m'emmêler. Un demi-cœur. C'est pas vrai. Donc là, ça sert un peu à rien, ça. C'est... Faut que j'ouvre ici, là. Mais comment? Je suis paumé. On va descendre. Je sais pas, on trouvera bien une solution. Ah si, voilà, là où il y a les boules qui roulent, je crois qu'il faut aller là, par là. C'est par là qu'on a changé l'itinéraire. Ah bah tiens, bah, c'est ça en fait. Alors, on pouvait pas aller là. Bon, par là, ça sert à rien, je crois. Donc, on va aller où vont les boules. Les boules de bowling. D'ailleurs, on a une qui est en train de nous poursuivre. Ah Indiana Jones et le... C'est quel Indiana Jones déjà celui-là? Ah voilà. Je vous l'avais dit, il fallait ouvrir ça. Parfait. Enfin, fallait actionner plutôt. D'ailleurs, vous voyez le canon qui nous tire dessus, on sait pas pourquoi, alors qu'il y a personne à son bord. Donc voilà, là, on monte tranquillement, on esquive les petites bouboules. Attention au tonneau! Là, on est vraiment bientôt au boss. Hein.
Ce donjon n'est vraiment pas très difficile. Mais en même temps, c'est le premier. Même s'il n'est pas si simple que ça, la première fois. Bon, quand on a pris le coup, voilà, c'est un peu comme les Zelda, quoi. Quand on a pris le coup, quand on connaît assez bien le donjon. Même si pourtant ce jeu a une bonne replay value. Par exemple là je m'amuse hein, à le refaire avec vous. Ah bah si, il y avait un soldat mais il est juste à côté du canon. Ils font de la magie vaudou, vous comprenez pas. Ils sont là à côté du canon, le canon bouge tout seul mais grâce à leur magie vaudou. Alors faut viser où? Par là. Parfait. Bon, par contre je comprends pas trop ça. En tirant sur les trucs qui sont en bois là, sur les colonnes. C'est bizarre que ça ouvre en même temps ceci. Là par contre j'ai pas compris ce principe. Et bon quand j'étais jeune, je réfléchissais pas. Hein. Ça me semblait normal. Oh, une plateforme qui s'élève dans la lave. Tout à fait normal. Voilà, si jamais je tombe, notre petit Fox McCloud va faire une chute magnifique. Et parce que les notions de dégâts quand on tombe de haut sont prises en compte. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, puisque je me suis déjà fait avoir plusieurs fois comme ça. Ah, et surtout l'animation, encore une fois, quand il tombe de haut, elle est super bien faite. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous la montrer. J'aurais pu le faire là, mais bon, j'ai pas trop envie de faire des fails. Et de faire du mal à notre pauvre petit Fox. Même si je viens de me prendre un canon dans la tronche. Et je l'ai un peu fait exprès. Voilà, ah oui, c'est vrai, ça nous mène au boss directement. Donc là on est à 1h13, ce qui me semble correct, enfin 1h12 et quelques secondes. Ah, c'est carrément le boss, hein, parce que regardez, il nous donne carrément 3 caisses pour se régénérer de la vie. Et oui, quand les téléporteurs sont rouges comme ça veut dire que ça nous mène à un boss. Les boss qui sont pas ratés, franchement, là vous allez voir, on va combattre un espèce de tyrannosaure, ouais. Et c'est franchement pas mal. Voilà, le tyrannosaure que vous voyez là, qui est congelé. J'ai déjà récupéré les champignons. Voilà. C'est pour que Tricky utilise son pouvoir du feu cosmique. Et en faisant ça, et bah voilà. La pierre magique. La pierre en mana. Donc, par hasard, le monstre il va l'avaler. Franchement, c'est l'un des boss qui m'avait vraiment bluffé. Parce que regardez son animation, regardez ses détails, les détails d'ombre et tout. C'est un jeu de GameCube en 2003, bordel. Bon, je fais que de m'extasier, mais bon, je vous avais prévenu, je crois. Bon là faut l'attaquer. Bon c'est pas un boss très original par contre hein, parce que c'est assez classique hein, comment le battre. C'est juste sa skin qui est extrêmement impressionnante. Et je crois qu'on va combattre un autre boss aussi du même style, une espèce de tyrannosaure également, qui sera encore plus balèze. Ah voilà, là je l'ai touché. Faut le toucher une deuxième fois. Parfait. Et là il va nous avaler. Vous l'avez sans doute vu dans le top 10 de la GameCube. Encore une fois. Voilà, on va devoir taper. Ça doit être horrible quand même. Hein, de faire ça quand même. Ça doit être horrible pour le tyrannosaure. Et puis là, ça nous montre qu'il faut l'avoir au torse. D'accord, il m'a complètement défoncé. Le problème, c'est que je sais jamais quand l'attaquer en fait.
Peut-être que là ça va être bon. Attention, il se surexcite là, oh. On est en face de surexcitation. Mais c'est quand qu'il nous ouvre sa cage thoracique là. Bon, je comprends plus rien moi. Je vais récupérer de la magie et... On avait un peu de mal contre ce boss également, en même temps c'était mon premier boss et puis c'était mon père qui jouait donc... On va dire que mon père n'avait pas une skill exceptionnelle. C'était le genre de monstre qui faisait un peu peur quoi quand on était petit. Enfin moi, quand j'étais petit j'étais un peu bizarre, j'avais pas peur de ça, ni de Far Cry 1. Par contre, au tout début, j'avais peur d'un soleil noir dans Mario Sunshine. Je sais, ça peut paraître étrange. Mais moi, j'avais peur de la tracée noire qui était sur le le soleil. Je ressentais vraiment que le soleil n'était pas bien. C'était flippant. Non, c'est vrai, c'est vraiment bizarre. Avoir peur pour rien et des fois tu vois des créatures affreuses comme ça et ça fait rien. Comme quoi on est tous différents. Il y en a peut-être qui ont eu peur de Doremi magique. Enfin, moi j'ai eu peur mais pas dans le même sens en fait. Je me disais mais cette série de merde va continuer jusqu'au bout. Oula, attention aux flammes. Donc ouais, je l'ai touché une fois, vous avez vu, il y a... On voit son cœur. On peut voir... Je l'ai encore retouché. En fait, je peux le toucher que quand il essaye d'attaquer avec son torse. Voilà, je suis obligé d'attendre qu'il nous attaque, qu'il fasse n'importe quoi. On esquive ses boules de feu. Ah, il peut être prise de tête ce boss. Allez, attaque, il a fait ton truc. Il veut jamais faire son truc. Ah, peut-être qu'il faut pas être près de lui, hein. J'en sais rien. Il le fait une fois sur deux. J'aime pas trop les boss qui font une fois sur deux la technique qu'on veut qu'il fasse, quoi. Oh, il peut pas la faire, ah si si. Parfait, bah faut le toucher trois fois quoi, sur son point faible. Comme ça il nous avale et on va encore attaquer dans sa bouche. Là où ça fait mal. Et là où la caméra a du mal à s'insérer. Toujours cet aspect comique. Oula, il a fait une indigestion là, il en peut plus. Mon dieu, mais que va-t-il faire? Eh ben, il crève lamentablement. Ce fut une fin tragique. Un tyrannosaure a perdu contre un petit renard. Oh, you must forgive your father. You must work together to lead the Snowhorn tribe against Scales instead of fighting each other. I will, Fox. Because of you, my people shall no longer live as slaves. Okay, we'll see you soon. We gotta take this spellstone back to the planet. Là, vous voyez que petit clin d'œil à The Legend of Zelda. On a gagné un cœur en battant le boss. Alors on a un nouveau cœur. Sachant qu'en tout, je pense qu'on peut avoir 7 cœurs. Donc voilà. Pas beaucoup de boss, hélas. Mais bon, ils sont tous réussis. Donc. Contrairement à
À Zelda Wind Waker, où la plupart des boss sont minables. Ils sont impressionnants, mais c'est tout. Enfin, le tout premier encore, il était pas mal. Bon, après, quand on est contre l'espèce de plante, et puis la plante carnivore, et puis après, quand on est contre... contre quoi, après, on est déjà... un ver de sable, je crois, enfin... Bon. Les boss suivants sont un peu pourris, à part le boss final, bien sûr. C'est ça qui m'avait quand même déçu dans Zelda Wind Waker, parce que je m'attendais vraiment à des boss de psychopathe quand je voyais le premier. Je me disais, purée, mais le premier, il est hard et tout. Alors qu'en fait, c'était que le premier qui était hard. Peut-être qu'en vrai, les autres sont aussi hard, mais... Enfin, hard. C'est un peu exagéré, les boss de Zelda ils sont vraiment sains. Il n'y a pas eu un seul Zelda où il y avait un boss où j'ai galéré. Non, moi dans les Zelda, là où j'ai galéré, c'était dans les temples, il y avait vraiment des énigmes bien difficiles. Et bien plus de tête. Allez, je vous avais dit d'arrêter la vidéo après le boss, mais bon, on va continuer un peu, on va arriver sur la planète... de Dinosaur Planet, le centre de la planète, quoi, en gros, je veux dire. Puis on va se quitter, parce que nous sommes déjà à 1h22. Ce qui est fort. Pas mal. Ah, et puis, ça flotte. Ah, mais il fait presque jamais beau à Dinosaur Planet. Planète des dinosaures. You've got to help us. Those horrible shark claws put out our lovely beacons, and it gets too dark at night. We'd be scared of the dark. Okay, stop crying. I'll see what I can do. Don't forget about the spell stone, Fox. You have to return it to the first point temple. N'importe quoi. Oh là là, je me souviens de ce moment. J'ai peur de noir. Bon, on va récupérer un peu de bombes. Parce que moi je suis un psychopathe des bombes. Alors, moi je suis pas pyromane, je suis bomberman. Vous connaissez? C'est aussi un jeu, mais bon. Donc voilà, on va se quitter. Je vais peut-être me refaire le plein de scarabées pour pouvoir m'acheter des choses. En voix off, hein. je vais pas faire en vidéo. Parce que bon, je pense pas que ça va vous intéresser de me voir acheter des trucs. Donc je vous montrerai que j'aurai acheté peut-être pour la prochaine vidéo la jumelle. Enfin voilà, vous savez. J'avais envie d'acheter, mais qui est extrêmement cher. Et donc voyons, voilà. Il nous reste encore 3 cœurs à récupérer. Donc 3 boss. Plus le final boss. Bien sûr. Ce qui fait quand même très peu de boss, 4 boss. Donc ok, on aurait quand même des surprises, vous allez voir. Des surprises assez inattendues à la fin. Donc oui, je peux bien transporter 50 trucs. Scarabées. Donc voilà, maintenant on peut voir la carte du monde. Il faut que j'aille. Eh ben, il faut pas que j'aille. Il me met pas pour l'instant, mais il faut que j'aille. Voilà, les flambeaux ne s'allumeront pas tout seuls. Que disaient les Tantiles sur les herbes de feu? Je suis sûr que la commande flamme te sera à un moment très utile. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il dit, hein. On est vraiment livré à nous-mêmes. Il dit juste ça, hein. C'est juste une petite énigme. Et bon, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais bon, je vous montrerai ce qu'il faut faire dans la prochaine partie. Là, il va y avoir pas mal de bastons. Là, on va voir des lapins qui sautent. Comme ici, en fait. Et aussi, on va sauver les dinosaures. Comme ça, ils pourront dormir dans le noir. C'est cool. Ouais, alors sur ce, je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour la partie 3.